Donc, nos copains algériens sont entrés à la direction du MOAP. Dans le même temps, nous, qui avions déjà fait la première erreur d'accepter de fusionner les associations, nous étions en train de faire la deuxième erreur, qui consistait à penser qu'après la Shoah, Shoah est un terme qui n'existait pas à l'époque, mais après les camps d'extermination, l'antisémitisme n'existait plus. C'était plus possible. On en avait tellement vu que c'était plus possible. Qui pouvait encore dire « je suis antisémite à l'époque » D'ailleurs, personne ne le disait. Je me souviens d'une réunion où on sortait d'une réunion du MRAP. On sort dans la rue, c'est nuit, et moi qui suis aussi, j'étais aussi aux Amis de la Nature. Je veux dire, mon club sportif, la PSGT, j'étais aux Amis de la Nature. Et je dis, je crois que c'est à Charles Palland, je lui dis, ça m'emmerde quand même terriblement que nos amis juifs, ils aillent polluer la forêt de Sénart en laissant leurs papiers gras partout. Il y avait un vendeur de marrons, il a coupé ses marrons, il faisait faire ses marrons. Il sort de son truc, il m'attrape, il me dit, tu leur veux quoi aux juifs? C'est pour dire que la réaction était immédiate. On lui a expliqué, on l'a fait adhérer au MRAP, on s'est bien marré, mais... C'est bien, vous avez testé sa motivation. Mais quand même, je trouve que c'est, ça montre comment un antisémite était reçu à l'époque. C'était pas demain, c'était pas après-demain, c'était tout de suite. Hein, et si c'était nécessaire, je veux dire, il sortait avec un œil au beurre. Mais c'est pour dire, donc voilà, nous, convaincus que l'antisémitisme, c'était fini, on ne pouvait plus voir tout ça. Eh bien, on sortait petit à petit du MRAP. Puis d'abord, il faut bien des sortants pour qu'il y ait des rentrants. Hein? Et on donnait bien volontiers notre place à la direction du MRAP à nos copains algériens. C'est quand même eux qui subissaient le maximum de racisme à l'époque où on était. Donc c'était à eux de se battre. On a toujours considéré que nous, on pouvait se battre contre tous les racismes, mais que chacun d'entre nous devait se battre en particulier sur sa sphère d'activité. Je veux dire que moi, en me battant contre l'antisémitisme, je suis heureux que le copain noir ou maghrébin vienne m'aider. Mais c'est moi qui me battrai. Lui, il viendra m'aider. Quand notre ami Zineb a eu son fameux procès dont on parle, j'étais à chaque séance pour l'appuyer, à chaque séance, je veux dire, du tribunal, pour l'appuyer. Mais c'est elle qui devait se battre. Et nous, on devait venir, je dis modestement, mais en appui inconditionnel. Mais modestement, c'était elle qui devait avoir le rôle « je me bats contre ». Eh bien, ça a été pareil. On a estimé que le rôle de l'antiraciste contre le racisme maghrébin, c'était notre copain arabe qui devait le jouer. Et nous, on était là en appui, modestement, mais tout notre appui. Et c'est comme ça que, par exemple, quand il y a eu, en 1961, cette ratonnade étonnante, où on a vu les corps flotter dans la Seine, etc., ben nous, on était là aussi. Donc, on n'a jamais lâché le combat antiraciste. Mais on voulait laisser toute la place aux Algériens, puisque c'est eux qui subissaient. Je dis les Algériens parce qu'il y avait plus de travailleurs algériens que marocains ou tunisiens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être un peu plus d'intellectualisme d'un côté que de l'autre. C'est historique, hein, je ne sais pas pourquoi, et je ne dis pas ça en termes méprisants par rapport aux Algériens. Mais bon, c'est comme ça. En 58, ces papons, nommés dans les années 57 par le ministre de l'époque comme, je veux dire, comme préfet de police de Paris, quand De Gaulle arrive en 58, eh bien De Gaulle le confirme dans son poste de préfet de police. Et c'est lui qui porte la responsabilité de ces cadavres dont je parle qui naviguaient dans la Seine.
Ensuite, pendant ce temps-là, ça négociait aussi. Ça négociait, je veux dire que il y avait les accords de Genève qui devaient commencer à venir pour que la reconnaissance de l'Algérie non française. Il faut dire que De Gaulle a joué entre deux trucs là, hein, avec son « je vous ai compris » qui fait qu'il n'y a pas un pied noir à Nice qui peut lui pardonner. Mais n'empêche que bon. Donc, le mouvement algérien aussi, à cette époque-là, était divisé. Il y avait le FLN, et puis il y avait les troupes de Ali Hadj, le mouvement national, le MRA, je crois, le mouvement national algérien. Et c'était antinomique, ils s'assassinaient les uns les autres. Si bien que le FLN a quasiment détruit le MRA. Et qu'a fait Papon, qui était quand même un cerveau malfaisant, mais un cerveau. Et il en est encore plus coupable, parce que c'était un cerveau. Il aurait pu réfléchir un peu. Il a pris ce qui restait du mouvement de Messaliad. Et il les a mis comme auxiliaires de police. Et ces auxiliaires de police infiltraient les groupes du FLN, dénonçaient leurs copains, et c'est l'époque à laquelle on a entendu parler des caves chantantes à Paris. On torturait les mecs dans les caves. Et les gars du MRA torturaient avec, je veux dire. Les règlements de compte, ça a été quelque chose. Donc voilà comment ça se passait et pourquoi nos copains algériens, petit à petit, se sont retrouvés. Et aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, Mouloud Amnit, je ne sais pas s'il est algérien d'origine, ou s'il est kabyle, ou s'il est tunisien ou marocain, j'en sais rien. Puis je m'en fous complètement. Ce n'est pas un problème. Hein. C'est comme ça. Donc voilà comment... Donc 72, la loi. Ensuite, on a glissé. Et 78, un congrès du MOAP constate effectivement que les Maghrébins sont en majorité et tout naturellement élisent un président, un secrétaire général, etc. Encore non, pas le secrétaire général parce que Albert Lévy est resté un peu plus longtemps. Mais bon, petit à petit, ils ont disparu et ce sont des Maghrébins qui sont devenus les dirigeants du MOAP. Mais à partir de là, ça a commencé à aller plus vite. Parce que le même congrès de 78, c'est lui qui a supprimé le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, et qui en a fait le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples. Ce qui, de mon point de vue, est une stupidité sans nom. Comment peut-on faire l'amitié entre les peuples avant de faire la paix? Mais non, mais c'est une simple question. Je veux dire que c'est vrai qu'on peut sauter les barrières, mais ça, c'en est une sacrée. Je crois qu'il faut faire la paix et après souder les peuples. Mais on ne peut pas souder les peuples avant d'avoir fait la paix, c'est pas possible. Donc, mais bon, ils voulaient aller vite, ils sont allés vite. Et ça se dégrade de plus en plus, et on constate de plus en plus qu'il y a eu en France, un regain d'antisémitisme comme un regain de racisme d'une façon générale. Mais ce qui devenait nouveau, c'est que le MRAP excusait presque l'acte antisémite s'il était commis par un Maghrébin, au prétexte que le Maghrébin était aussi une victime, ce qui est une réalité. Mais est-ce que le fait d'être une victime autorise à faire un acte crapuleux? Non.